Nous sommes toujours au Mondial de l'Automobile de Paris et nous sommes en train de visiter un antre qui est tout simplement extraordinaire, qui va juste épater les cinéphiles d'entre vous. Alors, regardez bien. Voici la voiture officielle de Ghostbusters qui a servi pour le tournage du film. Un peu plus loin, la Plymouth Fury qui a servi. Désolé pour l'image qui tangue. Voilà, c'est fait. Donc c'est la Plymouth Fury qui a servi au tournage de Christine. Christine, la fameuse sériale Killer Car. On avance et là on a la voiture de Come Back to the Future. Retour vers le futur. La fameuse DeLorean. On avance. Pas de problème. Et on a la voiture de Knight Rider. Une exposition extraordinaire qui nous fait revoir en fait tous les blockbusters de notre enfance et un peu plus. Comme par exemple la voiture. La branleur Sahara qui a servi au tournage du Jurassic Park. Et derrière moi, vous l'avez reconnu, c'est les box, les fameux box, c'est-à-dire les Transformers. Et puis on passe de surprise en surprise. L'espace d'exposition est très grand, très large, et on peut explorer, on peut passer en fait de la voiture de la Mehari, des gendarmes de Louis Funès, à la 403 de Colombo. Tout est là.